Nouvelle journée marathon pour le Premier ministre grec. Il doit convaincre le Parlement de voter l'accord conclu lundi à Bruxelles, un accord auquel il ne croit pas lui-même. Je prends la responsabilité de signer un texte auquel je ne crois pas, mais que je suis contraint de mettre en œuvre. Je n'échapperai pas à mes responsabilités. Cette fois, ce qui est important, c'est de veiller à ce que le pays et la classe ouvrière évitent une énorme catastrophe, un désastre financier. Que le système bancaire ne s'effondre pas et que les citoyens ne perdent pas leurs économies. Que le pays ne reste pas à l'abandon et devienne ingouvernable. Avant le vote des réformes au Parlement, Alexis Tsipras doit tenter de calmer la fronde de l'aile la plus à gauche de son parti, Syriza. Les membres du parti se sont réunis hier soir pour discuter de la marche à suivre. Plusieurs dizaines de députés ont annoncé qu'ils pourraient voter contre le texte. Syriza est au bord de l'implosion, mais pas question de faire tomber le gouvernement. Je pense que parfois, de manière volontaire ou involontaire, nous pouvons aussi ébranler le gouvernement. Le gouvernement de gauche ne doit pas s'effondrer. Nous ne devons absolument pas faire face à un affaiblissement politique de gauche causé par ses propres membres. Même si Syriza s'oppose au texte, Tsipras pourra compter sur le vote de l'opposition pour valider l'accord de Bruxelles. 7 autres parlements européens doivent voter le texte, dont la France aujourd'hui et l'Allemagne vendredi. En attendant l'approbation de l'accord par les différents parlements, la Grèce manque cruellement de liquidités. Et le nouveau plan d'aide à la Grèce ne verra le jour que dans un mois. Le Premier ministre grec a annoncé que les banques pourraient rester fermées d'ici là.